J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo solde. Cette fois-ci, ce ne sont pas mes soldes chez Sephora, mais je vous mettrai la vidéo dans le petit par ici si ça vous dit d'aller découvrir mes trouvailles chez Sephora. D'ailleurs, aujourd'hui, je porte une de mes trouvailles chez Sephora qui était le Huda Beauty liquide comme ça en solde. Oui, oui, en solde en Huda Beauty, c'est possible. Et c'est la teinte Socialite que j'aime beaucoup. Et il est assez naturel, un petit peu métallisé, très joli. Donc on passe à mes achats chez Kiabi. Il faut savoir que tous les ans je vais faire un petit tour chez Kiabi. D'habitude je vais pas forcément le premier jour, comme aujourd'hui on est le deuxième jour des soldes. Mais d'habitude j'y vais plutôt le samedi et il y a plus grand chose. Mais je sais qu'il y a des gens qui font des super affaires sur les, dans les Kiabi. Mais alors moi je suis allée donc le deuxième jour au matin, donc je me suis dit bon ça va. Et moi il n'y avait pas grand chose du tout. Mais alors moi 70%, il y avait encore, il y avait genre un article sur 50 quoi. Pour vous dire, enfin, il y avait beaucoup de choses en solde, mais beaucoup à 20% quoi. Donc très très décevant, parce que même pendant le Black Friday, j'avais eu moins 40% sur tout le magasin. Donc vous voyez, moins 20%, c'était tout pourri. Enfin, clairement, c'était tout pourri, mais j'ai quand même pris des trucs, parce que voilà, j'ai trouvé quelques petites choses. C'est pas des choses coup de cœur, mais c'est des choses utiles que mes enfants avaient besoin. Et moi, je me suis pris deux petites choses. Pas non plus méga coup de cœur, pas non plus méga utile. Enfin, si, c'est utile, mais je sais que je les mettrais. Voilà, c'était pas la révélation du siècle, c'était pas le bam, le pull que vous avez adoré, enfin voilà. J'ai été quand même plutôt déçue, je vous le dis, par les soldes chez Kiabi. N'hésitez pas à me dire si vous avez été faire un tour et si vous avez été déçue ou pas. Si vous, il y avait des belles choses dans votre Kiabi, alors peut-être que c'était dans le mien, pourtant c'est un grand Kiabi, mais il n'y avait pas grand chose. Donc on passe tout de suite à mes trouvailles. Pour ma petite crapouillotte, donc ma fille, c'est son petit surnom, j'ai pas trouvé grand chose, mais il lui fallait absolument des pantalons. Il y avait vraiment rien en pantalon, c'était que des trucs un peu style pyjama. Enfin, j'ai vraiment pas trouvé. Pourtant le rayon était énorme, hein, mais j'ai vraiment pas trouvé grand chose. J'étais vraiment déçue. Donc j'ai juste trouvé ce pantalon un peu de jean rose, mais c'est pas un rose bébé, c'est un joli rose je trouve. Donc étant donné qu'elle a la peau métisse, qu'elle aime bien mettre des couleurs, ça me dérange pas de lui mettre des couleurs, je me suis dit bon, un petit jean comme ça, pourquoi pas. Moi j'y prends en 5 ans parce que elle est très 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 grande, elle est fine mais très grande. Et pourtant elle a 3 ans, mais le 3 ans ne lui va absolument pas. Donc il était à moins 30%, donc 7 euros, moins 30%, ça fait pas très cher. Je vous mettrai à chaque fois ici les prix, parce que j'ai eu aussi moins 15% grâce à ma carte Kiabi, en plus des soldes, donc ça c'était quand même pas mal. Donc ça m'a baissé quand même ma facture de 10,50€ je crois, ou un truc comme ça, donc bon, c'est pas négligeable. Donc à la base il était pas très cher, 7 euros à moins de 30%, on va dire que ça passait, et ça a l'air de la bonne qualité. Il a l'air plutôt très bien, et ça a une sorte de slim fit. Pour ma fille toujours, parce que comme je vous dis, elle est un petit peu en galère de fringues pour certaines choses, je lui ai pris un petit haut comme ça, toujours un peu rosé, avec des petites touches gold dessus, vous verrez peut-être pas. Il est en 6 ans, j'ai pris large parce que je me suis dit que ça servira peut-être pour l'année prochaine, pour cet été, pour mettre en gilet, pour l'année prochaine en septembre. Voilà, c'est pas forcément pour tout de suite celui-ci. Et il me paraissait petit en fait, ceux qui étaient de 4 ans, 5 ans, il paraissait tout petit, pas très long. Donc bon, il était à 8 euros, toujours moins 30% aussi, donc ça restait raisonnable au niveau du prix. C'était pas non plus l'affaire du siècle, mais c'était raisonnable. Toujours pour ma fille, je lui ai pris un petit t-shirt, un petit pull, le même, exactement le même style, un petit gilet. Toujours moins 30% au lieu de 8 euros encore une fois. Il est très joli, c'est une couleur de moutarde, donc elle aime bien le moutarde. Elle a un petit haut comme ça aussi qui est très mignon. Et je lui ai pris encore une fois en 6 ans. Et la dernière chose que j'ai pris pour ma petite crapouillotte, ce sont des chaussures. Si vous me suivez un peu sur mes hauls, Primark, tout ça, vous savez qu'elle adore les chaussures. Les ballerines, c'est pour moi un must-have pour elle. En revanche, il n'y avait absolument pas sa taille. Il y avait 3 paires de chaussures qui se battaient en duel et qui étaient soldées. Celle-ci était à moins 50%, c'est une taille 32. C'est pas pour tout de suite parce qu'elle fait du 29-30, mais ça servira parce que ça, les ballerines, que ce soit cet été, si elle fait du 32, au mois de septembre de l'année prochaine, ça servira. Elles sont toutes noires, un peu brillantes comme ça, et elles ont un petit nœud sur le derrière. J'ai pris exactement les mêmes en 31. Il n'y a plus le prix, mais c'était aussi 8 euros, 4 euros au lieu de 8 euros en 31, donc, et en rose, un peu un rose gold hein, quand même, on peut dire ça, et avec des petits papillons, des nœuds papillons derrière. Tout ça, c'était pour ma poupette. Pour mon troisième futur bébé qui est dans mon bidon, j'ai absolument rien trouvé. Que ce soit, enfin, j'ai trouvé qu'une petite chose, mais je veux dire, je cherchais une gigoteuse peut-être en promotion. Il y en avait, mais elles n'étaient pas en promo de dingue.
Je me suis dit que j'irais voir ailleurs, peut-être à Halle ou... Mais il n'y a pas trop de Halle ici. Moi j'ai bon, tout enfin, j'irai voir ailleurs parce que là il y avait vraiment clairement rien pour les enfants, pour les bébés quoi. Donc j'ai juste trouvé cette petite paire de chaussures taille 6 12 mois, je crois, 6 9 mois. Je sais que ça je l'avais mis à Oran l'été à la naissance, donc enfin comme il va naître en avril, je pense pour mai juin, voilà pour même juillet août, ça peut être sympa pour ses petits pieds. Donc voilà, c'était à 2 euros au lieu de 4 euros, donc là bon, ça va. Continue avec mon fils et après on finira par les deux petits articles que j'ai pris pour moi. Mon fils, je cherchais une petite veste pour la mi-saison, vous savez, pour le mois de mai, février, je vais y arriver, mars, avril, mai, où il commence à faire un petit peu plus chaud et qu'on n'est pas forcément obligé de mettre le gros manteau, vous voyez. Je lui ai pris donc cette petite veste un peu mi-saison, moumoutée, mais pas trop non plus. Donc pour éviter de mettre le manteau, ça peut être pas mal en taille 36 mois. J'ai tout pris en 36 mois pour lui parce que comme ça servira pour les mois à venir. Il fait du 24 mois pour l'instant, mais ça lui servira. 24 mois, ça commence à être ric-rac pour certaines choses. Donc c'était à 12 euros à moins 50%. Donc ma foi, c'était pas trop mal. C'était une plutôt bonne réduction. C'est d'ailleurs le seul truc que j'ai trouvé à moins 50 chez les garçons. Je crois, enfin, il y a deux petits trucs. Il y a ça aussi que j'ai trouvé à moins 50 chez les garçons. C'était une sorte de pantalon un peu sarouel, hein, vous voyez. Je suis pas ultra fan de ce genre de pantalon. Mais c'était le seul pantalon, entre guillemets, sympa, soldé. Il était à 5 euros au lieu de 10. Donc à moins 50%. Et c'est pareil, je crois que j'ai pris une taille 36 mois parce que je voulais que ça serve plus tard. Et voilà, c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas la révélation du siècle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font leurs soldes sur Zara. Moi, j'ai jamais fait mes soldes chez Zara pour mes enfants, mais... J'aurais peut-être me pencher sur ça, hein. Peut-être pour ma fille plus tard d'ailleurs. Je lui ai trouvé un petit pull aussi comme ça. Moi j'adore ce genre de petit pull pour mon fils. Je trouve ça trop classe, ça fait penser à papa un petit peu. Moins 20%, donc vraiment pas une grosse réduc. Il était à 9 euros. Comme j'avais moins 15% en plus, je me suis dit que ça passait. Je pense qu'il a dû passer autour de 6 euros. Donc ça reste raisonnable encore une fois. Ça c'était pas du tout soldé. C'était pas cher du tout en même temps. Un pyjama qu'on peut même se servir je pense en petite tenue. Toujours en 36 mois, donc vous avez le haut du pyjama comme ça et le pantalon, mais un petit peu moutarde comme ça, à 5 euros l'ensemble. Il y avait aussi pour les filles, donc ça c'était une bonne petite affaire, je trouve, mais pas forcément soldée. Hein. Ça c'est, vous pouvez le trouver, je pense, tout le temps. Et toujours pour mon petit crapouillon, je lui ai trouvé des petits chaussons. C'est la seule chose que j'ai trouvé pour lui en chaussures parce que je voulais lui acheter des nouvelles baskets. Mais alors il y en avait, mais c'était horrible, des baskets trop moches quoi. Enfin, excusez-moi du terme, mais. Donc j'ai trouvé que des chaussons qui sont assez basiques. C'est surtout pour aller à la halte garderie parce qu'il y va de temps en temps. Ils ont besoin de chaussons là-bas. À la maison il en a, mais il commence à être ric-rac aussi. Donc ça servira pour la maison et la halte garderie. À 3 euros au lieu de 6. Et là c'est une taille 23 parce que mon fils commence à passer une taille là. Il commence à changer de taille. Donc c'est pour ça que je cherchais des baskets. J'irai voir comme je vous ai dit ailleurs. Tout ça, c'était pour mon petit crapouillot. Et pour finir, deux articles seulement pour moi. J'ai regardé, hein, j'ai fouiné. Je voulais un pantalon, quelque chose comme ça. J'ai rien trouvé de foufou, donc j'ai rien pris parce que je voulais pas non plus prendre pour prendre. Je me dis que j'irai voir à New Look parce que je vais retourner faire un petit tour à New Look. Il y a des grandes tailles, il y a des choses que j'aime beaucoup là-bas, donc j'irai voir. J'ai pris une sorte de gilet, vous voyez, dans ça c'était dans le rayon maternité. C'est un gilet qui ne se ferme pas, qui est tout gris. Je sais pas si vous verrez quelque chose. J'essaierai de faire une vidéo où je le porte, mais voilà, il est plutôt sympa. Il était à 20 euros moins 50%, donc ça fait 10 euros. Ça reste tout à fait raisonnable pour un gilet. Ça, je pense que je vais même le porter par-dessus, par exemple, ce pull. Parce que moi, je suis très frileuse et à la maison, je me l'écaille tout le temps. C'est l'avantage d'une maison, c'est qu'il fait quand même un peu plus frais que dans un appartement, je trouve. Et du coup, ben, j'ai toujours froid, donc je pense que ça va être le genre de choses que je vais mettre tout le temps à la maison. Pas forcément pour sortir ou quoi, mais voilà, pour à la maison, pour être en mode cocooning, comme avoir mon petit plaid sur le dos. Vous voyez, c'est un peu le même style. Et honnêtement, elle est très très chaude, donc pour 10 euros, ça va le coup. Et le dernier article, j'ai trouvé dans le rayon grande taille de chez Kiabi. C'est le même style, une sorte de petit gilet, donc en taille cette fois-ci 46-48. Je crois que tout à l'heure, c'était pareil d'ailleurs. Hein. Je prends des plutôt grandes... Ouais, 46-48, je prends des plutôt grandes tailles, on va dire, parce qu'en haut, je fais un peu plus petit. Mais comme c'est des gilets, ça se porte loose et tout, ça me dérange pas. Celui-ci était à moins 70%, donc au lieu de 20 euros, il est passé à 6 euros, je crois. C'est une sorte de gilet plutôt pour le printemps ou l'été, avec par-dessus une petite combi, enfin un petit débardeur, un petit haut sympa, un petit débardeur avec des dentelles, vous voyez.
C'est un haut, enfin c'est un gilet blanc, un peu blanc cassé, légèrement cassé, avec une ceinture qui est très jolie comme ça. D'un côté blanche, d'un côté bleu, je la trouve très jolie, et qui se resserre à la taille. Donc je pense que ça par-dessus un petit débardeur, moi qui n'aime pas montrer mes bras ici, je me dis que ça pourrait être sympa parce que c'est pas extrêmement chaud. Donc ça peut être très très bien. Voilà pour mes petites trouvailles du jour. En tout, j'en ai eu pour... J'en ai eu pour 60 euros, je crois 58 euros, donc ce qui reste raisonnable pour tout ce que j'ai pris. J'ai eu 10 euros de réduction, si je vous dis pas de bêtises, 10,37 € de réduction en plus de mes soldes. Hein. Donc, et puis alors, je vous dis pas combien j'ai eu de soldes, hein, mais c'est pas écrit sur le ticket. N'hésitez pas à me dire vous vos petites trouvailles bah, pour vos enfants, pour vous, dans quel magasin vous avez été. Enfin bon, ça m'intéresse toujours, moi je suis fan des bons plans. Je pense que j'irai refaire un petit tour pour mes enfants et peut-être chez New Look pour moi. À voir si je trouve des petites merveilles. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Je vous invite à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut!